L'habilité et l'entraînement dans le sport. Alléluia. L'habilité, et regardez-moi bien. Saint-Esprit, je vais te dire d'abord merci. Pour la parole de ce matin, parce que toi tu es le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Veuillez nous toucher, nous tous. Nous tous. Pour que ta gloire, ta royauté, ta dignité, ta splendeur se manifeste dans notre vie. Et que le sang puissant du Seigneur et son Christ nous couvre tous. Ce matin, Père de gloire et d'amour de ma vie, que ta parole, papa, quand tu vas sortir, c'est pas moi qui vas sortir ta parole, c'est toi, Dieu Saint-Esprit. C'est toi qui es le véritable enseignant. C'est toi qui es le véritable pasteur. C'est toi qui es le véritable évangéliste. C'est toi qui connais, qui sonde le cœur et le rein de tes enfants. C'est toi qui les connais tous, sans distinction. Et je te glorifie, t'exalte, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. 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 Je dis ceci. Dans le monde du sport, alléluia, l'habilité hein, et l'entraînement. Alléluia. Et le rôle de l'entraîneur de former quoi? L'habilité et l'entraînement qui est aussi sportif. L'entraîneur, hein, son rôle est de former aux joueurs. L'entraînement et l'habilité. Si des joueurs ne font pas l'entraînement, ils n'auront pas l'habilité. Et s'ils ne font pas l'habilité, ils ne sauront pas faire l'entraînement. Et comme ils ne feront pas l'entraînement, ils ne sauront pas être des véritables joueurs. Alléluia. Amen. Toi, alors dis maintenant, regarde la personne qui est à côté. Tu as besoin de l'entraînement. Vous savez, mais passer, ne sont pas des sportifs. Nous, j'ai déjà passé l'âge, moi. Hein? Vous allez comprendre la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de quoi? De l'entraînement et de l'habilité pour être des véritables sportifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous regardons maintenant la parole de l'Éternel. Ce que la parole de l'Éternel veut. On va voir maintenant le secret de ce que déclare la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Veillez. Veillez et priez. Qui est l'entraîneur? L'entraîneur, le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et qui te dit, veillez et priez. Commencez à comprendre maintenant. Hein? L'entraîneur sportif a besoin d'entraîner à ses joueurs. L'entraînement est l'habilité. Ok, vous êtes apte et capable. Vous devez faire quoi? L'entraînement. Sans l'entraînement, vous ne pouvez pas être capable. Alors, le grand entraîneur pour nous, c'est qu'il, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a dit, veillez et... Alors, ma question est celle-ci, ce matin. Est-ce que vous êtes des vrais sportifs, des vraies sportives? Est-ce que vous êtes des vrais sportifs? Vous êtes des vraies sportives? Quelle est là la parole de Dieu? Jésus dit, le thème ce matin, veillez et priez. Veillez et priez. Qui te dit de veiller et prier? Le Seigneur est le Sauveur, hein? Jésus-Christ. Est-ce que tu fais l'entraînement pour prier? Est-ce que tu... Nous allons voir cela dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Prenons par exemple, on va commencer avec Luc. Chapitre 11, versets 1 à 4. Luc chapitre 11. Hein?
Jacques 10, chapitre 11, verset 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Paul, t'as la parole. Qu'est-ce qu'il lui a dit un de ses disciples? Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. 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 Regardez maintenant. Est-ce que ses disciples ont dit au Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de l'argent, donne-nous de l'or, donne-nous des voitures, des maisons? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Enseignez-nous à prier. Enseignez-nous à prier. Si le Seigneur Jésus-Christ qui est l'entraîneur vous convoque en disant, venez et vous allez faire aujourd'hui quoi? L'entraînement. Et vous refusez de faire l'entraînement. Est-ce que vous serez un véritable sportif? Je vous ai dit, le véritable entraîneur pour nous les chrétiens, c'est qui? C'est le Seigneur et Sauveur, hein? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les apôtres ont dit, Seigneur, Sauveur, Christ, enseignez-nous à faire quoi? Prier. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'il ne savait pas prier? Oh, quand vous regardez, avant cela, le Seigneur, ceux qu'ils avaient envoyés deux à deux, ils sont partis. Quand ils sont partis, alléluia, ils ont chassé les démons. N'est-ce pas? Ils ont chassé les démons. Ils sont retournés envers le Seigneur. Même les démons nous ont obéi. Mais un jour, le Saint-Esprit s'est déplacé pour aller prier. Alléluia. Et par après, ils ont dit, non Seigneur, nous chassons les démons. Nous faisons ceci. Nous sommes toujours avec toi. Mais cela ne suffit pas. Tu dois nous enseigner à faire quoi? À prier. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu dois nous entraîner. Tu dois nous entraîner à prier. Continue. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme qui? Jean a enseigné quoi? À ses disciples. Qu'est-ce que Jean avait enseigné à ses disciples? À prier. Continue. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Point. Quand vous priez, qui l'a dit cela? Le Seigneur saurait dire. Quand vous priez, vous devez dire, Père, que, première chose, que ton nom soit sanctifié. Signifie quoi? Que ton nom puisse être mis à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi maintenant. Est-ce que vous mettez le nom de l'Éternel à part? Est-ce que vous le sanctifiez le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Que ton nom soit sanctifié. Quand le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est sanctifié en toi, c'est là où il y a la suite. La suite, c'est quoi? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Comment le règne de l'Éternel va venir? Quel est son règne dans le ciel? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dans le ciel, l'Éternel, le Seigneur et son Fils, a déjà pourvu. Mais il y a une condition pour que son règne puisse se manifester dans ta vie sur la planète Terre. Pour que son règne puisse être glorifié ici sur la planète Terre, tu dois d'abord sanctifier son nom. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord faire quoi?
sanctifier. Est-ce que tu les sanctifies? Non, je pense que ça. Alléluia. Est-ce que tu les sanctifies? Ou bien tu le sanctifies quand tu veux, quand nous voulons. Mais on doit le sanctifier tous les jours. Alléluia. Si tu veux être un vrai sportif, qui est entraîné par l'entraîneur qui est le Seigneur, Sauveur et le Christ, la première chose que tu fais pour être aidé est prier. Et quand tu pries, tu dois d'abord sanctifier le nom du Seigneur et Sauveur, hein, Jésus-Christ. Après avoir sanctifié son nom dans ta vie, c'est là où le règne du Seigneur qui est dans le ciel va venir sur toi, sur la planète Terre, sur qui sur toi. Le règne du Seigneur qui se manifeste maintenant dans ta vie. Pourquoi le règne du Seigneur et Sauveur qui se manifeste dans notre vie? Parce que nous ne voulons pas sanctifier le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Nous ne voulons pas suivre les entraînements que l'entraîneur nous a dit. Est-ce que vous priez réellement? Est-ce que nous prions réellement? Si nous prions réellement, pourquoi il a dit encore le Saint-Esprit dans Jacques? Vous priez et vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez mal. Voilà, je reviens maintenant. Un joueur. N'est-ce pas? Hein? Si je ne veux pas l'entraînement, si je ne suis pas le conseil de l'entraîneur, est-ce que tu vas bien marquer un goal? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un joueur, un sportif, hein? Il doit suivre le conseil de qui? De son entraîneur. Il le dit à l'entraînement. À l'entraînement, en disant, écoute, tu dois jouer comme ça. Tu dois courir hein, comme ça. Tu dois respirer hein, comme ça. Alléluia. Amen. Tu dois dribbler hein, comme ça. Alors, le joueur suit les signes ou bien les consignes de l'entraîneur. Alléluia. Alors, toi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien, nous, en tant que chrétien, est-ce que nous suivons les consignes de l'entraîneur? Point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle Jacques dit ici, vous priez et vous ne recevrez pas, parce que vous priez mal. Vous voyez maintenant la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens ne sont pas... Le Saint-Esprit ne répond pas. Ah, parce que nous prions mal. Parce qu'on n'a pas suivi ces consignes ou à l'entraînement. Vous allez voir comment à l'entraînement. Pardonne-nous nos péchés. Non, c'est par là. Merci. Alléluia. Amen. À l'entraînement, tu vas voir. C'était là, tu as lu. À l'entraînement, tu vas voir. Luc 21, 36. Luc 21, 36. Vous priez, vous. Veillez donc et priez en tout temps. Quoi? Qu'a-t-on dit l'entraîneur? Veillez et priez en tout temps. Alléluia! Amen. Est-ce que vous êtes là? Je vous attends, vous touchez, vous trouvez les. Il vous nous dit quoi? Qu'a-t-on nous dit l'entraîneur? Veillez donc et priez en tout temps. Voilà, ok. Sportif! L'entraîneur, qu'est-ce que tu dis l'entraîneur? Tu dois t'entraîner. Tous les jours. Dis quoi? Tous les jours. L'entraîneur te dit, bon, Jérôme, tu veux être un bon sportif, un bon joueur, tu veux marquer le point, le but, tu veux évoluer, il faut faire quoi? Là, l'entraînement. Ok, nous faisons l'entraînement. Dans la prière maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'entraîneur Jésus-Christ? Afin que vous ayez la force. Non. Veillez donc et priez en tout temps. Est-ce que nous veillons dans la prière? Et nous. Alléluia! Amen. Est-ce que nous veillons dans la prière? Ah. Regarde la prière que nous faisons maintenant. Hein? Non.
les prières de, comment, de ces joueurs-là qui ont déjà passé. Comment ils appellent? Des joueurs qui ont déjà passé. Merci, c'est dans les mots que j'ai dit, mon frère. Nous faisons des prières comme des joueurs de vétérans. Hein? C'est ça nos prières des vétérans. Oh, regarde, 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 regarde. Regarde, 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 on vient de prier. Regarde, Seigneur, merci pour la nourriture d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour le salaire qui est tombé chez moi. Merci, Seigneur, parce que j'ai bien dormi, j'ai travaillé aujourd'hui. Ce sont des prières de qui? Des vétérans. De qui? Des vétérans. Des vétérans. Donc, vous êtes des... Vous êtes des sportifs, là? Non. C'est ça qui se passe pour vous, chez nous tous. Oh, oh, le prière là. Il nous dit, veillez et priez. En d'autres termes, nous devons faire l'entraînement chaque jour. Mais nous ne le faisons pas. Ah, merci. Et on vous dit encore à tout temps. Bon, maintenant, à tout temps maintenant. Viens, viens. Viens ici, oui. Et toi, viens ici. Eh, hey, mon fils, aujourd'hui, viens là. Ici, devant. Vite, vite. Vite, vite, vite. Allez. Oui, oui, viens ici. Je fais semblant. Comme dit un poète là-bas par rapport à moi. Je vais en faire semblant. Hein? Alléluia. 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 Eh, hey, hey, toi. Viens ici. Mettez-vous ici. Alléluia. Alléluia. Tu travailles tous les jours. 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 Imaginez-vous la scène. Vous dites non. Le patron m'a dit de travailler tous les jours. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pas de sous. Voilà, pas de sous. C'est la même chose avec le Seigneur et le Sauveur, hein, Jésus-Christ. Il nous a dit de prier en tout. Non. Quand vous ne priez pas en tout temps, vous êtes là. Regardez-moi bien, bien, bien. Regardez-moi bien. Qu'est-ce qui va se passer dans vos vies? L'entraîneur dira, quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour mon travail, il dit non. Le Seigneur augmente-moi le salaire, il dit non. Il dit non, Seigneur, tiens. Alléluia. Amen. Vous lui demandez d'augmenter le salaire. Il dit non. Seigneur, ouais. Non. Le business, il dit non. Et vous dites, Seigneur m'a oublié. Est-ce que le Seigneur qui nous a oublié? Non. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Veillez en tout temps. Veillez prier en tout temps. Alors? Alors, on manque quoi? Hein? L'entraînement. L'entraînement, il fait quoi? Des prières en tout temps. Alléluia, regardez-moi comment on prie tout le temps. Quand tu sais pour faire le business, avant de prendre ta voiture, de quitter ta maison, tiens, Seigneur, sauveur Christ, tu as dit que, alléluia, tu commences à remettre, tu fais quoi? Là, avant d'aller au travail pour faire le business, tu fais d'abord quoi? L'entraînement! Amen. Alléluia! Amen. Tu fais d'abord quoi? L'entraînement pour aller marquer quoi? Le but, le goal. Avant de réussir à nous localiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi maintenant ils ne marquent pas de goal? Parce qu'ils n'ont pas fait le bon entraînement. Ils n'ont pas écouté ce que l'entraîneur a dit. Tu parles avec des prières comment? Des vétérans. Vous me faites des prières de vétérans. Non! Vous venez de mettre des vétérans en prière? Oh! Oh! Qu'est-ce qui va se passer avec des prières de vétérans? Le vétéran dit non, toi tu es déjà. Toi tu es. Pensionné. Avant l'âge. Pensionné avant hein? L'âge. Vous cachez là, regardez, vous avez raison. Veillez donc et priez. Avec quoi? Qui est là? C'est ta femme? La femme de. C'est cette femme là, sa femme? Ah, c'est sa femme, le blanc de ta femme. Ah! Tu dois beaucoup prier à tout le temps par
qui a à Sahara ta femme. Où est ta femme? Tu dois beaucoup prier et veiller à tout le temps par rapport à qui? À ta femme. Tu rigoles? Tu dois beaucoup faire quoi? Veiller et prier en tout le temps, non, en tout le temps, par rapport à qui? À ta femme. À ta femme, où est ta femme? Où est ta femme? Où est ta femme? Ah! Ah! Se cache. Tu dois, seulement moi, c'est l'entraîneur qui te dit, tu dois veiller et prier à tout le temps par rapport à qui? À ta femme. Qui est le leader de la famille? C'est le mari, non? Ils doivent beaucoup prier par rapport à vos femmes, à tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vos femmes commencent à vous dépasser dans la prière, il y a un problème sérieux. Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Regardez-moi. Alléluia. Si ta femme et Sarah commencent à prier beaucoup par rapport à toi, il y a un problème sérieux. Là, tu deviens vétéran. Si elle prie une heure, toi tu dois prier deux heures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes. Vous comprenez ce que je viens de vous dire, les hommes. Vous devez prier beaucoup par rapport à vos femmes. Parce que ce n'est pas les femmes que l'Éternel demandera compte. Il demandera compte à vous, les hommes. Parce que c'est à vous, les hommes, qui êtes les leaders de la famille. Hein? Je n'aime pas ces mots-là qu'on a fait contre les autres. Les leaders de la famille. La famille dépend de qui? De vous. Mais il y a le secret. Quel entraîneur qui est le Seigneur est sorti de nous dit. Nous devons prier ça, hein? Cesse. Toi, avant d'aller là, tu montes dans la voiture et tu arrives là, tu commences à travailler à la cuisine. Est-ce qu'il a fait l'entraînement? Non. Tu dois faire l'entraînement spirituel avant de sortir de ta maison pour aller où travailler ou là à la cuisine. Je dis, Seigneur, regarde mes mains. C'est toi qui m'as donné ces mains ici. Quelles ces mains ici? Quand je... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as fait ce business là, quand tu as fait tes marchandises, avant que tu étais, tu ouvres tes marchandises. Tu as déjà donné l'ordre que le règne de l'Éternel descend sur la terre. Un règne là où tu vas mettre tes marchandises. Si tu ne le fais pas, et regardez maintenant ce qui se passe. Si ces hommes ne le font pas, regardez ce qui se passe. Les gens qui travaillent avec vous, les démoniaques là, vont faire les prières. Alléluia! Ils vont pas aller prier. Elle te va dire, cette personne-là, quand elle arrive, elle vend beaucoup, dans ses marchandises. Aujourd'hui, on va faire des incantations. Le secrétaire qui sera dans tel endroit, il faut voir les incantations. Pour faire quoi? Ah, vous connaissez la suite? Pour vendre plus par rapport à toi. Et par rapport à Dieu, le ténèbre m'a oublié. Non, il t'a donné le secret. Le secret, il te fait quoi? Prier. Il fait quoi? L'entraînement. Et l'entraînement se passe dans la... Prier. Et toi, la même chose. Et toi, la même chose. Et toi, la même chose. Vous attendez la promotion. Ça va venir d'où? Les païens ont des promotions avant vous. Ils ont l'augmentation de salaire avant vous, et vous, les chrétiens, dites, pasteur, vous comprenez bien, j'ai donné mon offrande, j'ai donné ma dîme, et ça ne bouge pas. Oui, ça ne bouge pas. Parce que tu n'as pas obéi aux règles de l'entraîneur.
au principe de qui? De l'entraîner. L'entraîner de temps dit que tu dois faire quoi? Beaucoup d'entraînement. Et beaucoup d'entraînement, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans l'entraînement, sans la prière, vous ne pouvez pas marquer de goal. Regardez quand un joueur a joué, il a fait l'entraînement. Si c'est Zidane, si c'est qui là, alléluia. Avec le Saint-Esprit, ce qu'il attend de vous, les hommes, quand vous marquez le goal pour sa gloire, les anges sont contents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous devez faire quoi? Veillez et priez. Veillez et priez. Pas de prière de vétérans, non! Des sportifs. Alléluia. Amen. Bon, amen. Allez, mes hommes, allez, vous êtes à la maison. Continuez avec lui. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront. Voilà! Enfin que vous ayez quoi? La force. La force. De toutes les choses qui. D'échapper à toutes les choses qui arriveront. De toutes les choses qui arriveront. Ça signifie quoi? On a dit quoi? Toutes choses. Bonnes ou mauvaises. Qui verront pour qui? Arriveront. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ah. Veuillez prier pour faire quoi? Pour avoir quoi? La force. Regardez maintenant, la force doit venir. L'Éternel a dit à Josué. Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Alléluia. Éric, le verset 1, qu'est-ce qu'il lui dit? Le verset 6. Josué 1, 6. Il lui dit ceci. Non, le verset 6, il dit. Non, non, non. Prends courage et fortifie-toi. Il lui dit quoi? Prends courage et fortifie-toi. Il lui dit le verset, c'est-à-dire. Prends courage et fortifie-toi et sois fort. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Priez, priez. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à le faire. Amen. Voilà. Donc, tu dois prendre quoi? On va voir. La force. Et la force vient où? Où et comment? Dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à notre verset. Ma fille, revenons à notre verset là, vite. Alléluia, vite, vite, vite. De Luc 21, 36. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Quoi? Car vous avez quoi? La force. Ce qu'il a donné à qui? À Josué. Prends courage. Il dit, fortifie-toi. Prends courage, verset 6. Ainsi. Verset 10. Fortifie-toi. Prends-moi. Et sois fort. Ici, on dit que vous avez quoi? La force. De faire quoi maintenant? Regardez. Vous me dites que vous priez. Non. Vous êtes vétéran. Vous êtes vétéran. Si ça dit ça, vous êtes vétéran. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? La force est de faire quoi ici? D'échapper. La force est de faire quoi? D'échapper. D'échapper au quoi maintenant? À toutes choses qui arriveront. Ah ah! Ah ah! Qui va te donner la force à toutes les choses qui arriveront? C'est la prière. C'est la prière. Alors si tu n'es pas fort dans la prière, qu'est-ce qui va se passer? C'est passé. Toutes les choses qui vont arriver, si tous les mauvaises vont venir vers toi maintenant. Et puis tu vas. Pasteur! C'est pas un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce que la prière te donne quoi? La force. La force de faire quoi? D'échapper. D'échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand une personne maintenant échappe, échappe, c'est dit, oh là, aujourd'hui. Je risquais de faire quoi? L'accident. J'ai échappé à la mort. Ici, l'Éternel t'a dit de faire quoi? De prier et pour faire quoi?
pour échapper. Voilà. Nous sommes à quel mois maintenant? Nous sommes à quel mois? Vous, nous, nous devons faire quoi? Nous devons prier pour échapper à quoi? À toutes circonstances. Le mois de novembre, écoutez-moi, regardez-moi bien. Le mois de novembre, c'est le mois que ces gens-là commencent à faire les sacrifices. Comment ça fait pour aller sacrifice pour sacrifier, pour recevoir le sang? Alléluia. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que vous regardez les informations? Ah. Pourquoi c'est de la blague? Et vous allez voir ce qui s'est passé dans notre pays ici. Vous allez me dire. On dit de faire quoi? Pour avoir la force d'échapper à toutes choses qui arriveront. Nous devons prier parce que le mois de novembre et de décembre, c'est là le mois le plus mauvais qu'on fait quoi? Que ces gens-là, dans leur, écoutez-moi bien, dans leur calendrier, ici c'est maintenant des sacrifices, pas de mort subite, pas de mort précoce. C'est là où, dans les calendriers, regardez, on a dit dans telle famille, il ne fait pas dépasser 40 ans. Ne veut pas dépasser 50 ans. Ne veut pas dépasser 100 ans. On va les aiguiller. Mais si la personne ne prie pas, le verset, quelqu'un nous dit l'entraîneur. Hein? De veiller, prier en tout temps. Uh-huh, pour avoir la force d'échapper. Pour avoir la force de quoi? De faire quoi? De... D'échapper. Avoir la force d'échapper à toutes les occasions qui arriveront. Alléluia. Si tu ne pries pas, je répète bien, on est au mois de novembre et décembre. Mais regarde maintenant les gens. Au lieu de veiller à la prière, pour échapper, ils commencent à faire leur planning. Écoutez, il faut leur planning. Noël va arriver. Il faut commencer à économiser. On va acheter ceci. Regardez-moi. On va faire ceci. Est-ce que les gens ont associé au Saint-Esprit, en disant Saint-Esprit maintenant, le mois de novembre, le décembre, donnez-nous la force de battre à la prière. Qu'est-ce que dis-toi à l'entrée, comment nous devons passer à la prière? Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Est-ce qu'on a la force de battre de toutes les occasions qui vont arriver? Il faut veiller par la prière. C'est là où il y a des maladies bizarroïdes. C'est là où il y a des problèmes dans les familles. On commence à dire, non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Dieu n'a jamais oublié personne. Ce sont les gens qui n'ont pas connu la parole. Alléluia. Quand l'entraîneur nous donne l'ordre à suivre ses principes, ses règles, nous devons faire quoi? Nous devons obéir et les suivre pour gagner quoi? Le match. Et le match que nous avons, et regarde, alléluia. Le match qu'on a sur la planète, c'est contre qui? C'est contre l'ennemi. Et pour battre le but, il faut prier et veiller. Et si on ne prie pas, on ne veille pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va marquer, c'est l'autre qui va marquer. Et c'est par après qu'on peut commencer à se dire, ah. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ce n'est qu'à notre famille, à nos enfants. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que, mes amis, alléluia, nous devons faire quoi? Veiller et prier. Veiller et prier. Il y a la personne qui doit veiller et prier. Parce qu'on n'arrive pas à faire des problèmes. Vous regarderez les gens qui ne se parlent pas, les familles qui ne se parlent pas. Mais bon, on va se voir le 25. Quel 25? La fête est diabolique, satanique, machiavélique. Est-ce que c'est le 25 décembre? Non. Non, c'est non, c'est faux, archi faux. C'est non, faux et archi faux. Et allez-y, c'est là. C'est faux et archi faux. Le Seigneur Christ n'est pas né le 25 décembre. Parce que s'il était né le 25 décembre, il ne pouvait pas avoir les étoiles. Le 25 décembre, tu vas voir les étoiles. Tu vas voir la lune.
Alléluia. 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 Alors, on commence à vous distraire par des faits. Regardez le fait des commerçants maintenant, le businessman. Il faut acheter les dindes de quoi? Les dindes de Il va acheter les dindes de les chocolats C'est des trucs commerciaux. Le biche de Noël. Montrez-moi ce verset qu'on a dit à nos enfants de manger le biche. Montrez-moi ce verset. C'est notre coutume. Regarde, c'est notre coutume. C'est notre tradition. Tradition, coutume, tradition. Montrez-moi ce verset biblique dans la parole de l'Éternel qui dit que c'est notre tradition. C'est notre coutume. La parole de l'Éternel dit que de veiller, de prier. En tout temps, pour que vous ayez quoi là? De faire quoi? Regarde, il y a déjà des familles, ils ne se parlent pas. Mais ce jour-là, ils vont manger. Noël, hein, il y a un cadeau. Après, ça va donner ses fêtes de Noël. Là. Il retourne et il dit. Alléluia! Et ça, c'est la bénédiction. Non, parce que la parole de l'Éternel déclare, la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie d'aucun. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, priez. Vas-y vite. Alléluia. Vous avez quoi? Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Il y a la personne qui doit veiller et prier. Comme un veiller, comme un vrai sportif ou sportif. Sinon, tu n'auras pas la force, mes amis. Si l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi. Verset 6, Josué 1, 6, il a dit, fortifie-toi, prends courage. Et verset 7, il a dit ceci, fortifie-toi et prends courage et sois fort. Parce que l'Éternel savait que s'il n'a pas la force, ce qui va arriver, ça va lui créer des problèmes dans sa vie. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit l'Éternel? L'Éternel nous dit encore, que vous ayez la force d'échapper. De quoi? D'échapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les accidents bizarroïdes. Tout d'un coup, moi, ça fait quoi? Ah, prier. Quand tu sors, avant de démarrer, tu as dit, Saint-Esprit, je te remets. Cette fois, tu conduis cette voiture. Alléluia. Amen. Continue avec moi. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ah, de paraître comment? Debout. Ah bon? De paraître comment? Debout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, écoutez-moi, comment vous êtes assis là? Comment vous êtes assis là? C'est ça dans la prière. Dans la prière, les gens sont comment? Debout. Sont assis. Il dit de apparaître comment? Debout. Alors, apparaître debout, maintenant je vois. Debout, 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 debout. Mettez-vous debout. Vous tous, debout, 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 debout. La parole est là. Quand on dit à une personne d'apparaître debout, donc c'est, la personne était comment? Hein? Assis. Donc, ou bien la personne était assise plutôt, merci. Donc, la personne qui était assise ne sait plus prier, ne sait plus veiller, n'a plus des forces. Donc, mes amis, vous devez vous mettre quoi? Debout de la prière. Acclamons-le, Seigneur. Alléluia. Le mois de novembre, à ce moment-là. Vous avez compris? Le mois de novembre, vous devez être comment? Debout, debout dans la prière. Debout dans la prière. Debout dans la prière. L'entraîneur nous a dit, nous devons faire à tout le temps les entraînements. Amen. Amen. Regardez-moi maintenant. Donc, tu dois être un homme, une femme, donna, avant d'aller au magasin,
De quitter ta maison dans le magasin, Seigneur, aujourd'hui, je te bénis. Je vais vendre dans mon magasin. Il faut vendre mon vendre. Décembre, que tu puisses avoir un chiffre d'affaires que je n'ai jamais eu. Dieu, Saint-Esprit, précède de moi. Alléluia. Lève tes mains debout pour la prier, pour veiller dans la prière. Et quand tu vas arriver, les gens vont te bénir. Non. Levez ça, le passif au moins, craquette, l'argent, dans la clé, alléluia, parce que c'est la bénédiction de qui de l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe, c'est le contraire. Les gens, au mois de novembre, ils se sont dit, non, on a dépensé, on doit payer maintenant les factures. Regarde-moi, on va payer les factures. Ils vont payer après. Est-ce que l'Éternel fait des mauvaises surprises? Non, il fait toujours des bonnes surprises. Alors, au moins, déjà, on va zéro. Regardez déjà. Il y a un magasin qu'on appelle Troc International. Quand vous partez là, vous voyez, j'avais fait des télévisions, des vidéos, de l'autre mon téléphone là. Les gens, c'est. Qui t'a dit d'acheter, je sais pas, 1000 euros? Qui t'a dit d'acheter une télévision à 1000 euros? Alléluia! Regarde-moi, ça c'est un. Deux. Qui t'a dit d'aller remplir le caddie avec de la nourriture? Est-ce que tu n'as jamais mangé? Oh, oh! Qui n'a jamais mangé ici? Pourquoi ces jours-là, à partir de 20, tu commences à remplir le caddie? À remplir, à multiplier par 2. Le frigo multiplié par 4. Oui, regardez le frigo déjà, rempli. Le congélateur rempli de la nourriture. Comme si nous n'avons jamais mangé. Et puis le premier, il a dit, ou bien le toi, je ne sais pas, je ne vais pas manger. Qui t'a dit? Alléluia. Alléluia. Amen. On mange tous les jours pour être en bonne santé, pour glorifier le Seigneur et le Sauveur, hein? Jésus-Christ. Bien manger ce que les dindes et les bidons, les voient qui vont manger. Les tigres qui vont manger là. Les biches là. On a fait des biches là. Tu peux les manger maintenant aujourd'hui? Maman, c'est ton argent. Ils vont se regarder dans ces jours. Ah, alléluia. Allez. Alléluia. Allez. Mangez les biches, c'est le biche. Maman, aujourd'hui, tu vas aller. Je vais passer, on va aller manger le biche comme ça. Allez-y. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si moi, vous m'invitez, j'ai vu que ces jours-là, j'ai toujours la biche, j'ai dit, je ne mange pas. Mais oui, parce que là, tu ne m'aimes pas. Il fallait m'inviter les jours normaux. Alléluia! Maintenant, je vais manger au biche. Oh, biche, oh, au jour de quand tu me l'as dit, c'est alléluia! Mais toi qui as dit, ce n'est que le 25 fête de Noël. Ce n'est pas la fête de Noël, le 25, que nous sommes. Alléluia! Alléluia! On a appris une fête païenne dans l'ordre de la nazie qu'il faisait là pour invoquer la lune et le soleil. On vous a dit maintenant, regardez maintenant, on vous a dit, on va fêter la fête de Noël dans la famille, c'est bien dans la famille. Non, commencez d'abord à fêter la fête de la famille, à le remercier, à louer, à l'adorer, à le glorifier. Mangez comme d'habitude, parce que c'est quoi c'est là, hein? Famille. Alléluia! Amen. Pour ayez de la force et d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. À toutes les choses qui feront voir qui arriveront. Pourquoi l'Éternel nous a dit de faire ça? Parce que c'est ça l'entraînement. C'est ça la prière. Les disciples ont dit, enseignez-nous à faire quoi? Ah, prier. Alors, il sait pas le bon cela. Alléluia! Amen. Alléluia! Enseignez-nous à faire quoi? À prier. Il ne faut pas dire non. Ils n'ont pas dit, Seigneur, enseignez-nous. On va la fête de Noël. On va manger le quoi? La dinde. La bambou, là. La biche. La biche. Le champon, si c'est champon, c'est pas bon. La pain. Non! Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Alléluia. Au contraire, les disciples ont dit, enseignez-nous à faire quoi? Et dans la prière que le Seigneur Jésus a enseigné, il y a deux points. Spirituel et physique. Spirituel pour être en bon terme avec la famille. Et physique et matériel pour ce que nous avons besoin sur la planète. Et terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai terminé par là. Aujourd'hui, tous ces mois, les hommes et les femmes, nous allons faire la prière. Être des vrais sportifs ou sportives, faire l'entraînement très bien. À tout temps. À tout temps. Alléluia. Si, écoutez maintenant, si dans le calendrier de l'autre, dans l'agenda de l'autre, dans le programme de l'autre, ils ont déjà fait dans le calendrier en disant, dans le calendrier en disant, hein? La parole de l'Éternel déclare ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La parole de Dieu encore déclare que la malédiction, ça cause n'a point hein, d'effet. Mais pour que tous ces deux effets puissent s'accomplir, il faut que je vienne vaquer à la Allah. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Amen. La prière. On vous a dit. Veillez et priez. Il n'y a personne aujourd'hui, on nous apprécie. Veillez et priez. Aujourd'hui, veillez et priez. Alléluia. Les disciples ont demandé au Seigneur, enseignez-nous à prier. Je dis, vous devez veiller et prier. Parce que ces jours-là, regarde. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus prend les disciples et dit, ok, accompagne-moi. Les disciples ont commencé à l'accompagner. Ils arrivent quelque part. Alléluia. Et dit, ok, maintenant, restez ici. Viens monter pour aller prier.